na Lubumbashi pe na Grand Kasai yango nde ministre agriculture Joseph Panda Kabangu ayaki na Lombango kokutana na vice premier ministre en charge d'intérêt et sécurité affaires coutumières le bidozer maître Peter Kazadi Kakonde na journée ya mercredi 12 avril 2023 na tournaillé le VPM intérieur maître Peter Kazadi Kakonde a pesaki orientation na ministre agriculture na Lombango pona koluka solution na population ya Lubumbashi pe ya Grand Kasai azongela kolia bukula bwanseka fufu ezonga na bandaku orientation epesami kitoko yepe na tuna ye ministre agriculture Joseph Panda Kabangu asepelaki na orientation au ministre intérieur pe sécurité maître Peter Kazala pesaki ye d'ailleurs kuta lubaki proposition yango akomema ngo na conseil des ministres et sala Lombango population ya Lubumbashi pe ya Grand Kasai basse pela kitoko oyo wapi te venu présenter civilité. Vous savez qu'il est le vice premier ministre et ministre de l'intérieur. Il m'avait fait venir pour qu'il me donne une instruction liée à un problème de la sécurité alimentaire. Et à la sécurité alimentaire, c'est aussi sécuritaire. Il se pose un problème depuis un temps au sein de notre espace Est, la partie Lubumbashi, les Grands Kasai. Il a raté autour des produits de première nécessité, notamment les maïs. Et j'étais venu prendre quelques suggestions importantes par rapport à mon secteur d'agriculture pour que nous prenions des mesures anticipatives. Nzala esengeli esila na Lubumbashi pe na Grand Kasai yango nde ministre ya agriculture Joseph Panda Kabangu ayaki na Lombango kokutana na vice premier ministre en charge d'intérêt et sécurité affaires coutumières le bidozer maître Peter Kazadi Kakonde na journée ya mercredi 12 avril 2023. Na tournaillé, le VPM intérieur, maître Peter Kazadi Kakonde, a pesaki orientation na ministre agriculture na Lombango, pona koluka solution na population ya Lubumbashi, pe ya Grand Kasai, azongela kolia bukula bwanseka fufu ezonga na bandaku orientation epesami kitoko yepe na tuna ye ministre agriculture Joseph Panda Kabangu asepelaki na orientation au ministre intérieur pe sécurité maître Peter Kazala pesaki ye d'ailleurs kuta lubaki proposition yango akomema ngo na conseil des ministres et sala Lombango population ya Lubumbashi pe ya Grand Kasai basse pela kitoko oyo wapi na même te venu présenter civilité. Vous savez qu'il est le vice premier ministre et ministre de l'intérieur. Il m'avait fait venir pour qu'il me donne une instruction liée à un problème de la sécurité alimentaire. Et à la sécurité alimentaire, c'est aussi sécuritaire. Il se pose un problème depuis un temps au sein de notre espace Est, la partie Lubumbashi, les Grands Kasai. Il a raté autour des produits de première nécessité, notamment les maïs. Et j'étais venu prendre quelques suggestions importantes par rapport à mon secteur d'agriculture pour que nous prenions des mesures anticipatives lié à Jikile. Na même journée, le vice-premier ministre en charge intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi, a joué qui honneur et la civilité, ya ministre ya mine Antoinette Samba Kalambay, y compris délégation ya quatre fédéraux, ya Union pour la démocratie et le progrès social, na soukande parti Lumumbiste, El Willy Makiashi, bango pe bayaki ko présenté ba civilité na bango. La délégation du parti Lumumbiste Unifié, conduite par son secrétaire général, le professeur Willy Makiashi, est venue présenter le civilité au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, à l'occasion de sa prise de fonction comme ministre de tutelle de parti politique, que nous avons jugé opportun de pouvoir lui adresser nos sincères félicitations de vive voix. C'est ce qui a été fait. Le parti Lumumbiste Unifié existe, fonctionne normalement et que la chose est connue. Et voilà pourquoi nous sommes venus pour lui dire, nous accompagnons le président de la République
Nous avons signé la charte de l'Union sacrée et nous nous investissons pour un second mandat pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, tolo balisusu nini. Oyo VPM intérêt azali ko sala ezali komona. Azali ko la pongitin chaque jour ko yamba yamba.